Game Jam, c'est un événement où l'on regroupe des personnes pendant 48 heures et on leur laisse la possibilité de pouvoir réaliser un jeu vidéo. Nous avons d'abord un premier enjeu qui est un enjeu pédagogique, puisque on va utiliser cet événement pour pouvoir projeter les étudiants dans des conditions concrètes de production d'un jeu vidéo. On va aussi devoir se conformer à une esthétique qui est particulière, qui est l'esthétique de l'opéra qui sera sélectionnée. L'année dernière, nous avons travaillé sur Carmen. Cette année, nous travaillons sur Tristan et Isolde de Wagner. Ça permet pour nous d'amener les étudiants à travailler sur cet espace d'échange culturel qui paraît extrêmement important pour nous à l'intérieur de l'école. On a comme désir que nos étudiants aient la possibilité de pouvoir se développer créativement et de travailler sur des thèmes qui peuvent être des thèmes universels qui ont été traités par d'autres formes d'art auparavant. Fight! Nombreux parce qu'en fait on est le seul opéra orchestre qui depuis 3 ans ouvre ses portes à une école de jeux vidéo, Artefix, pour permettre à ses étudiants d'imaginer des jeux vidéo. Le thème de cette année c'est l'opéra Tristan et Isolde, donc c'est une petite nouveauté et c'était un exercice un petit peu plus compliqué que les années précédentes puisque en fait c'est une version de concert que nous proposons au mois de janvier et donc c'est aux étudiants vraiment d'imaginer comment grâce à toutes les informations qu'on leur a transmises, comment ils peuvent créer des jeux vidéo où on identifie le Tristan et Isolde de Richard Wagner, qui est évidemment inspiré de la légende celtique médiévale. En fait, je trouve que c'est en game jam qu'on apprend le plus, parce qu'on n'a pas le choix que d'apprendre hyper rapidement en fait. Et il y a plein de choses qu'on n'a pas vues parce que comme on crée un jeu, on doit tout voir en fait et on doit se débrouiller de polyvalent. Cette année c'est un peu particulier vu qu'il n'y avait pas vraiment de direction artistique sur l'orchestre, etc. Du coup c'était assez libre et finalement on est parti en pixel art. C'est surtout essayer de comprendre les compétences de chacun et qu'est-ce qu'ils veulent faire. Bah nous on n'a jamais fait de pixel art, donc c'est ça le challenge. C'est vraiment qu'on prenne tous plaisir, qu'on apprenne, qu'on soit ensemble et qu'on s'éclate en fait. On travaille pas forcément sur des logiciels qu'on a déjà touchés avant. Il y a des choses qu'on veut faire au début mais qu'on peut pas finalement. Du coup on doit changer plein de choses au cours de la jam alors qu'on n'a vraiment pas le temps. Ça nous permet de nous intéresser nous-mêmes à l'opéra et sur des choses qu'on ne serait pas forcément intéressé, quoi. Et merci encore pour votre participation. Merci.